les deux propriétés de Sylvie Vartan entre Paris et Los Angeles. Sylvie Vartan possède deux propriétés sublimes où elle passe du temps avec les siens depuis plus de 50 ans. C'est en 1974 que Sylvie Vartan a acheté aux côtés du défunt rocker une incroyable maison de 400 mètres carrés située dans le quartier Villa Montmorency, un endroit hautement sécurisé situé dans le 16e arrondissement de Paris. Cette maison, la chanteuse en a d'ailleurs fait don à son fils David, à hauteur de 50% des parts, qui appartenaient à Johnny. Lors de notre séparation après 18 ans de vie commune, j'ai purement et simplement refusé dans le cadre de notre divorce de recevoir de Johnny sous forme de donation sa part de la maison, préférant que cela revienne directement à notre unique fils. Aujourd'hui, Sylvie Vartan continue de profiter pleinement de cette propriété parisienne aux côtés de son mari Tony Scotti, ses enfants, mais aussi petits-enfants et son arrière-petit-fils Harrison. Et lorsqu'elle ne se trouve pas dans la capitale, Sylvie Vartan passe la plupart de son temps du côté de Los Angeles, une ville qui lui tient particulièrement à cœur et dans laquelle elle possède une grande villa avec piscine. Tous les grands shows que j'ai montés pendant 30 ans, je les ai répétés là-bas, avec des chorégraphes et des danseurs installés là-bas. J'ai mes habitudes à Los Angeles depuis longtemps. Alors qu'elle a annoncé l'arrêt de sa carrière, Sylvie Vartan pourra désormais profiter d'un repos bien mérité entre ces deux luxueuses propriétés.